Il y a environ un an, je suis arrivé dans une planète avec des centaines de robots morts. La seule que j'ai pu réparer s'appelle Nadia. J'ai toujours eu des sentiments pour elle et au fond, j'espère qu'elle aussi. Mais bon, une relation entre un humain et un androïde, ça se fait pas trop. Comment les autres peuvent réagir? Est-ce vraiment la relation que je cherche? Mais je ferai tout pour elle et les habitants de Red Cave. Ma décision est prise. Je vais partir à la recherche du trésor dérobé à Nadia et aux autres. Je sais que ce sera long, mais tu m'attendras. Je sais que tu as confiance en moi. Et si tel n'est pas le cas, j'aurai confiance en la partie de toi qui a confiance en moi. Je te le promets, Nadia. Je reviendrai, ne sois pas inquiète. Nous sommes le 6 juillet X293. Salut Nadia, ça va? J'ai récupéré la relique. Par chance, le voleur n'était qu'un petit brigand et comme j'ai des amis qui travaillent pour le gouvernement, ça a été facile. Ainsi, tout le monde va être réanimé sur Batcave et tu n'auras plus besoin de ton câble. D'ailleurs, je suis plus très loin, je suis impatient de te revoir et le ciel qu'on contemplait ensemble. Je m'en veux de t'avoir fait attendre une année entière. Tu me manques, je t'aime Nadia, l'amour de ma vie. Malgré sa tragique mort, Andrew n'a pas failli à sa mission de ramener la relique. Et de son côté, Nadia n'a jamais cessé de l'aimer en 200 ans. Je pense que la relation Andrew et Nadia est une leçon pour nous tous. Une leçon de vie pour nous tous. Andrew, qui lui a tout promis, malgré sa mort, n'a pas failli à sa mission et a bel et bien ramené la relique que Nadia cherchait. Quant à Nadia, même si Andrew est resté pendant 200 ans dans l'espace sans donner de nouvelles, Nadia a toujours continué de l'aimer. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous aimez beaucoup ce concept et moi aussi j'adore les tourner, franchement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là ça m'a reboosté pour en faire plein. J'en ai prévu encore 2-3. Vous allez en avoir encore 2-3, mais c'est pour ça que je fais durer le concept un petit peu plus longtemps. Parce que il y en aura un sur Oli aussi, je pense, parce qu'on va bientôt découvrir l'histoire d'Oli. Et je pense qu'on va bientôt, du coup, je vais bientôt en faire un sur Oli. Mais je sais que vous aimez beaucoup ce concept et moi j'adore le faire. Donc voilà. Là, ça m'a redonné envie d'en faire plein. J'en ai encore prévu 2-3. Il y en a un avec Oli qui va arriver aussi quand on connaîtra son passé, donc ça en fera un en plus. Et je vais essayer de faire durer de plus en plus le concept. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. A plus et puis salut. Voilà, simplement.